et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, qui êtes ici avec nous à Poppenguin pour célébrer notre 132e édition du pèlerinage marial. Et vous tous qui participez à ce pèlerinage à partir de la télévision, de la radio, de l'internet, là où vous êtes, bienvenue à cette célébration eucharistique. Liñuy xumbal tay modi suñu pèlerinage at bu nek gis ngeen ni ren jilé melul niñu ko daan def ndax liñu xam lepp ñun ñet manam febar ji wër aduna si lolu taxna besuñu ñaan tay mënu ta faté lolu bëgg nañu taaj tank suñu ndey ju sel ji Mariam fi Poppenguin suñu jaxlé ndax mu ramul ñu Yalla suñu borom té mu dimbali aduna si dimbali Sénégal mussel ñu ci fébar bi lé ñew nañu itam tank suñu ndey ju sel ji ndax mu may ñu xel nak lañu mëne dox ci yoonu selay gi mom mi nga xamne mo gëna sel ci doomi adama yépp ndax té Yalla daf ko tann mu doon ndeyu doomam kon bok ñu xélo dagam Yalla suñu bayyi jaaré ko suñu ndey ju sel di Mariama mi di itam ndeyu jangu bi ndax té yagul dara pap bi wo nañu ñaan nañu ñu xumbal xewté Mariama musallami ndeyu jangu bi altiné Pentecôte Yalla def mu tassé ak suñu pèlerinage ak mu né fi nga xamné fi ñu cey xumbal di gërëm suñu ndey ju sel ji Mariama nañ ko dagan bok mu ramul ñu fa Yalla suñu bayyi ndax suñu ñaanu tay man ko neex te mu yott ñu yiw yu bare nañu am da bok sumay mbokke yi recc suñu bakar recc suñu bakar ci ñeul benu sacrifice l'eucharistie bu sel sel bi je confesse à Dieu tout puissant que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique, en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elles toutes les familles des peuples. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Judith. En ce temps-là, tout le peuple était dans l'enthousiasme. Il s'inclina et il adora devant. Tous s'écrièrent d'une seule voix : Tu es béni, toi notre Dieu, toi qui as anéanti en ce jour les ennemis de ton peuple. Et Ozias, le chef du peuple, déclara à Judith : Béni sois-tu, ma fille, par le Dieu très haut, entre toutes les femmes de la terre. Et béni soit le Seigneur Dieu qui a créé le ciel et la terre, lui qui t'a conduite pour frapper à la tête le chef de nos ennemis. Jamais l'espérance dont tu as fait preuve ne s'effacera du souvenir des hommes, mais ils se rappelleront éternellement la puissance de Dieu. Que Dieu t'exalte pour toujours et qu'il te récompense parce que tu as risqué ta propre vie pour la cause de notre nation humiliée et tu es intervenu pour empêcher notre ruine en agissant résolument sous le regard de notre Dieu. Et tout le peuple dit Amen, Amen. Lorsqu'ils entrèrent chez elle, tous la bénirent d'une seule voix et ils lui dirent Tu es la gloire de Jérusalem, tu es la grande fierté d'Israël, tu es le grand orgueil de notre race. Parole du Seigneur. Le Seigneur vit pour moi, demeure.
En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous voici comme à l'accoutumée, au pied de Notre-Dame de la Délivrance de Popenguin, pour notre pèlerinage annuel. Sans aucun doute, l'édition de 2020 se fera distinguer dans l'histoire de ce pèlerinage sous-régional pour les raisons que nous connaissons tous. Néanmoins, même en nombre réduit, très réduit même, nous voici aujourd'hui, au nom de vous tous, frères et sœurs, pèlerins, qui chaque année vous ébranlez vers ce lieu, nous voici donc en votre nom pour prier et dire notre amour et notre confiance à Marie, celle que Dieu a comblée de grâce et perpétuée ainsi la tradition. Pour vous qui ne pouvez pas être là avec nous, réjouissez-vous et soyez dans la joie malgré tout. Et surtout, rassurez-vous, car c'est elle-même, Marie, qui vous rejoint partout où vous êtes. Ne pouvant supporter de nous voir seuls, surtout en cette période de grande inquiétude pour ses enfants. Lolata, Smaimbokei, Nyudelu di O, Nyep, Nyugen di Gorgorlu, Sudesa, xamnañu ko waw né metti na wayé fa la suñu mucc ku né jël responsabilité té déggal li njiti réew mi ak wa kër docteur dogal ngir ar bopam ar moromam ar réew mi
nanu yalla borom yermande ji jaare ko ñaan suñu ndey ju sel ji mariam musal ci jangoro jilé namay katan ñepp ñi ut guddek becc nak lañu ko mëne daan may wërgum yaram ñepp ñi ci fever agal yi ak yermande ñi ci faatu te fidal yi xol yi seeni mbokk yi leen di joy depuis plusieurs années mes frères et sœurs de nombreux pèlerins se succèdent en ce lieu pour demander à Marie quelques grâces. Grâce d'une libération ou d'une guérison, ou encore sa protection maternelle pour leur famille ou leurs proches, pour notre Sénégal, mais aussi et surtout pour remercier. Nombreux sont ceux et celles qui ont entendu ici Marie leur dire ce qu'elle disait déjà aux serviteurs des noces de Cana en Galilée. Faites tout ce qu'il vous dira. En ce lieu, Marie ne cesse de nous dire que les paroles de son Fils son chemin de vie et de bonheur, chemin de sainteté. Priez Marie à Popengine, c'est prier celle qui a engagé son avenir dans le oui prononcé au jour de l'Annonciation. Ce fut le oui de la confiance en Dieu. Ce Dieu qui, tout en conduisant Marie sur des chemins qui lui étaient inconnus, veillerait sur elle. N'est-ce pas là le début de notre chemin de sainteté? Dire oui à Dieu, comme autrefois Marie, en ignorant tout des chemins qu'il nous faudra prendre, mais en sachant que Dieu ne cessera de nous accompagner et de veiller sur nous. C'est donc à juste titre que nous lui demandons en cette année de nous montrer le chemin de la sainteté. Marie, Sainte Vierge Marie, montre-nous le chemin de la sainteté. Mariam Moussellami, Wanyu Yonu Sellaïgi. La parole de Dieu qui nous a été proclamée en ce jour vient nous rappeler des caractéristiques essentielles pour qui veut marcher sur le chemin de la sainteté. Nous en citerons deux: l'écoute et la mise en pratique. Batum yalna giñu sog agali ani ñuy léral bu baax ñu gën ko tibbi ci l'évangile bi. Ne képp ku bëgg té xélo dox ci yoonu sellay yoonu yalla war nga bayyi xel ci ñaari jumtukaay yilé ñu di déglu ak mëttali déglu ak mëttali.
suñu delo ginaaw tuuti ganesi mba seti wëlëri bu jëkk ba la première alliance dans l'Ancien Testament li don bakku Israël té mu roñ bëpp ngëmam wax ko teunk ko ci lu gatt ni la don tambalé chemin Israël Adonai Eloheinu Elohim Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Le credo d'Israël. Dégloul Israël. Dégloul. Sulol weso nga metali da sop sa yalla sabaram. De nos jours, mes frères et sœurs, nous sommes envahis par le bruit au-dedans de nous, autour de nous, et nous nous illusionnons d'une foi qui n'a aucune emprise sur la vie parce que manquant des éléments de base qui la fondent, entre autres, l'écoute. Telolu lañu suñu borom Yesu Krista bëgg xamal ci léwansi lu tay wettiwul ndeyam mba ñi bokk ci njabootam dedet ndaxte Yesu xamna bu baax ndeyam limu ñu bëgg xamal moy ndax bokk deug ci njabootam daño wara deglu batum yalla diko metali xamna ne Mariam ndeyam mo massa deglu batum yalla ak xol bu reey te yewen il sait que la garde fidèlement cette parole confère Luc 2 verset 51 dans son cœur Luc 2 verset 19 et réfléchit sur son sens le sens de cette parole Luc 1 verset 29 il sait que sa mère disparaît tant elle est dans la parole de Dieu dira le pape Benoît XVI tant elle n'est qu'écoute de Dieu, qu'elle médite de tout son être dans l'obéissance de la foi. À l'Annonciation, par exemple, on est frappé par l'écoute de Marie. On la sent disponible à ce qui est dit. Elle cherche à savoir et à comprendre. Elle fait confiance à ce qui lui est dit et acquiesce. Jamu borom bangi li nga wax na am siman. Marie manifeste ainsi une foi profonde qui sait se mettre à l'écoute et accepte de servir. Et quand elle lui rend visite, Élisabeth, sa cousine, la salue comme bienheureuse, car elle est celle qui a cru. Akanabaremou, yomikum, narte, da nuk deglou.
écouter la parole de Dieu, la mettre en pratique. C'est cela, la vie chrétienne. Rien de plus, nous dit le pape François. Simple, acte yomb. Waye xejna ñun ñoko jafelo ak wax ju bare be ken mënuté ci xam dara ndaxam dundu chrétien nonu la té lolu la manam dégg lu batum yalla té diko mëttali d'où l'invitation à écouter la parole véritablement dans la Bible, dans l'Évangile, en méditant les Écritures pour en mettre en pratique les contenus dans la vie quotidienne. Mais écouter la parole de Dieu signifie lire et se demander. Ce n'est pas comme lire un roman, non. Lire et se demander, qu'est-ce que cela dit à mon cœur? Que me dit Dieu avec cette parole? Ce n'est qu'ainsi, mes frères et sœurs, en effet, que notre vie change. C'est ce que Jésus a fait toute sa vie. Réaliser la volonté du Père. Il a écouté son Père, même dans les heures de grande solitude et de grande souffrance. Et il a toujours fait sa volonté. C'est ce qui caractérise la vie de Marie, qui a écouté son Fils, parole vivante du Père, jusqu'au pied de la croix. Te ci wolof dañ koy wax té mu rafet ndax té day wax lepp Mariama nit ku déggal Yalla la nit ku déggal Yalla suñu né ci kenn ki ku déggal yaayam bayam yalla mba morom wax nañu lepp elle a écouté la parole mais pas seulement écouter déggal elle écoute et elle met en pratique pas seulement elle a écouté la parole et a orienté sa vie à partir de cette parole diko metali ci bir dundam écouter et orienter sa vie à partir de la parole dans le silence comme elle a accueilli le verbe dans le silence barawuñu deg batam ci téré yu sel yi té sa yi ñu ko déggé manam batu Mariam sa yi ñu ko déggé ci lu am maana la way suñu xolé suñu bop xol suñu adina wax ji ëpp na sumay mbokk yi wax ji ëpp na nañu téyé sunuy lamiñ té suñu waré wax xol ndax dëgg la ndax lu baax la ndax lu jara wax la ngir jëmele kanam Marie a écouté la parole et orienté toute sa vie à partir d'elle,
dans l'humilité, comme le Verbe qui s'est fait chair dans son sein. Naham, Mariam, Sagnon, Sagnon, Narté, Ken, Mosula Am, Mour, Dikoyal, Bahé, Sagnon, Wanane, Dom, Yal, le Umb, Yal, le Dug, le Djok, Yam. Oui, elle n'a jamais fait sentir cela à son époux, ni à son entourage. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ses épouses et ses époux, qui se soutiennent, dans l'humilité. Parfois dans des conditions extrêmement difficiles pour subvenir aux besoins de leur famille. Djaram. Djaram yen. Voyez. Rey rey lougi. Ni la tol, ni la mel. Tachna. Beken khayjatul fen ken khayjatul Sénégal. Elle a écouté la parole et orienté toute sa vie à partir d'elle dans la charité, la solidarité et le service, comme le Verbe qui s'est donné jusqu'au bout pour notre salut. Bougaou, Mariam Dafa Diop, Dem Seti Mbokam Elisabeth Ndakhte Dafko Kham, Jigen Djoudis, Tenek Ti Djafé Djafé, Tenak, Banche Khadar. Nous y rappelons, Boubah, ñuy rafetlu bu baax benno bi ciopel gi ak ndimbalé anté gi li dal aduna si benno gi ciopel gi ak ndimbalé anté gi li dal aduna si dal it suñu réew tax Taïbar si, taqna dara. Te lolu, wanyu kulerne, benen aduna, menen dundin, menna am, sunyu digante. Mais il est aussi désolant de voir que certains, sans scrupules et sans gêne, profite de la misère des pauvres pour s'enrichir davantage ou pour se faire de la place au soleil. Marie a écouté la parole de Dieu et a orienté toute sa vie à partir d'elle dans l'obéissance, comme son fils Verbe de Dieu fait chair, obéissant au Père et obéissant à la loi en s'acquittant de l'impôt, par exemple. Marie se fera obéissante en se faisant recenser. Elle se fera purifier et présentera son fils au temple. Elle n'invoque pas de privilège. Elle ne brandit aucun titre ni rang. Marie a écouté la parole de Dieu
et a orienté toute sa vie à cette parole dans la prière. Son cantique d'action de grâce, sa présence au cénacle, au milieu des disciples, qui lui a valu aussi le titre de Marie, mère de l'Église que nous célébrons aujourd'hui également. Une prière qui transforme toute sa vie. Soumaïn Bokri, Soudé Sinou Nyan, Sopaleoul Sinou Dund, Sinou Dundin, Warnanyo Sopi Sinou Nyan. Soudé Sinou Nyan, Sopaleoul Sinou Dund, Sinou Dundin, Warnanyo Sopi Sinou Nyan. Voilà, mes chers frères et sœurs, comment Marie nous montre simplement, mais sûrement, le chemin de la sainteté dans le quotidien et l'ordinaire de sa vie, au point que nous lui attribuons à juste titre et avec fierté les paroles de la première lecture tirées du livre de Judith. Tu es l'honneur, tu es la gloire de notre peuple. Vierge Marie, tu es l'honneur, tu es la gloire. Même chemin de sainteté, Paul nous le trace de façon admirable en des attitudes concrètes dans la deuxième lecture tirée de sa lettre aux Colossiens, chapitre 3, des versets 12 à 17. Elle mériterait d'être lue et relue à volonté, mes frères et sœurs. En venant ici en pèlerinage ou en accueillant celle qui vient nous rendre visite là où nous sommes, nous reprenons conscience qu'à la suite de Marie, nous sommes en marche sur un chemin de sainteté. Nous avons besoin de nous ressourcer auprès de celle qui, sur ce chemin, n'a jamais cessé de compter sur Dieu et de croire en sa fidélité, y compris au pied de la croix. Nous sommes ici, mes frères et sœurs, pour prier Dieu par Marie de nous aider à porter nos inquiétudes, nos peines, nos souffrances, surtout en ce temps de pandémie. Vous pensez bien que cette mère, Marie, qui voyait son fils Jésus prendre des risques pour dénoncer le mal et annoncer la miséricorde infinie de Dieu, a dû trembler plus d'une fois, comme tremblent aujourd'hui les mères dont l'avenir des enfants paraît menacé par la maladie, le chômage, la drogue. Cette drogue qu'on attrape
en des tonnes au Sénégal. Et la violence. Comment Marie n'écouterait-elle pas leur prière, notre prière? Nous sommes ici pour prier Dieu par Marie de nous aider à progresser sur notre chemin de sainteté, un chemin qui est ouvert à tous. La sainteté n'est pas faite pour le pape, les évêques, les prêtres, les sœurs, non. Tout baptisé est appelé à la sainteté, un chemin qui est aussi un chemin de conversion. Laissons-nous interroger sur ce qui doit changer en nous pour que nos vies soient un témoignage à la gloire de Dieu. Laissons-nous également interroger, comme nous y invite le pape François dans sa lettre au peuple de Dieu du mois d'août dernier, sur ce qui doit changer dans nos paroisses et mouvements, dans nos familles, pour que les dons de chaque baptisé y soient reconnus, respectés et accueillis. Demandons à celle qui est la sainte parmi les saints de nous montrer le chemin de la sainteté et de nous y accompagner de sa prière, non seulement au cours de ce pèlerinage et de cette année, mais tout au long de notre vie. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Avec Marie, Mère de l'Église, présentons-lui dans la confiance nos intentions et celles de l'Église universelle. Qu'il soit soutenu par une force comme celle de l'Esprit
qui fait agir et parler les apôtres dans le livre des Actes. Seigneur, nous te prions. Donne à nos gouvernants ta sagesse et la capacité de se laisser toucher par la misère humaine, morale et matérielle, qu'il déchire tant d'humains sur notre planète. Seigneur, nous te prions. Les médias ou réseaux sociaux, qu'il te plaise, Dieu d'amour, de les fortifier solidement par ta grâce et notre communion si profonde dans cette prière. Seigneur, nous te prions. Sois favorable aux appels de ton peuple qui se tourne avec confiance vers toi pour hâter la venue de ton règne. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que ta puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour célébrer la Vierge Marie, c'est à toi que s'adresse nos louanges. En accueillant ta parole dans un cœur immaculé, elle a mérité de la concevoir dans son sein virginal, en donnant naissance à son Créateur. Elle a préparé les commencements de l'Église. En recevant aux pieds de la croix le testament d'amour de son Fils, elle a reçu pour fils tous les hommes que la mort du Christ a fait naître à la vie divine. Quand les apôtres attendaient l'Esprit qui leur était promis, elle a joint sa supplication à celle des disciples, devenu ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée dans la gloire du ciel, elle accompagne et protège l'Église de son amour maternel dans sa marche vers la patrie, jusqu'au jour de la venue glorieuse du Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Thank you.
Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. Entrant dans la grâce, il le bénit, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Vers toi j'élève mon âme, vers toi mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous. Et pour la multitude, en rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. Vers toi, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. Viens toi, j'élève mon âme, faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire,
pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Compiègne. Avec Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Benjamin, tous ses frères évêques, les prêtres, les gardes et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, les prières de tous les pèlerins, et ramène à toi, Père, très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, pour les défunts particulièrement de nos familles respectives, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Esprit, unis à tous nos frères et sœurs qui vivent avec nous à partir de chez eux, ce pèlerinage, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, il est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, Père, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes
pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que cette paix du Seigneur vous rejoigne partout où vous êtes et vous apporte réconfort et grâce. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole que tu sais lire. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie et pour la vie éternelle. Oh,
Thank you.
Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Sanctum ego sacramentum. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus dans le présent sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le présent sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Frères et sœurs ici présents, et vous tous, pèlerins qui nous suivez depuis votre maison, où que vous soyez, maintenant, Monseigneur Martin va donner une bénédiction spéciale pour tous les diocèses du Sénégal, pour tous les diocèses de la sous-région, pour tous les peuples d'Afrique, en demandant une grâce particulière de la sainteté pour nos familles, de la sainteté pour les jeunes, pour les enfants, pour les femmes et les hommes, une grâce spéciale de la guérison dans ce contexte sanitaire angoissant
pour beaucoup d'hommes et de femmes. Que cette bénédiction soit source de grâce pour chacune et chacun. Nous avons parmi vous quelques membres du comité national du pèlerinage, dont le secrétaire général est le responsable de la commission sécurité et protocole, et aussi les membres du comité local. Nous remercions l'abbé Rosario, directeur des œuvres de Thiès, et l'abbé Armand, chargé de la communication dans le diocèse de Thiès, qui sont venus nous rejoindre avec une paroissienne, pour que nous puissions rendre le plus divers possible dans de petits cercles proches de Popongil, sans avoir besoin de demander des autorisations spécialement pour cet événement, et bien pour que le nombre que nous faisons soit le reflet de ce sanctuaire vide, mais le reflet d'un sanctuaire plein. Merci particulièrement à l'abbé Bayrémy et à Lydiane, chargé de la communication dans l'archidiocèse de Dakar, Oficom, pour les services rendus et qui vont être relayés à travers tous les médias que vous voyez très nombreux ici le jour du pèlerinage. Et donc, c'est leurs éléments que nous allons voir avec eux dans les différentes télévisions de notre pays, mais également dans les médias sociaux, dans les radios, avec Radio Espérance et toutes les autres radios qui aimablement voudront prendre ces éléments pour les diffuser. Après cette célébration, il ne faut pas qu'on oublie de remercier le père recteur du sanctuaire, frère Bruno, qui est le relais fidèle de tout ce que nous faisons ici, et avec lui le curé, frère Christian Marie, et toute la communauté pour le prieuré de Saint-Jean, et ceux qui rendent le sanctuaire propre et accueillant et aussi en sécurité, ceux qui s'occupent de cette verdure que vous voyez, les AST qui sont en permanence à toutes les heures ici. Chers amis, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Alors, à la fin de notre célébration, nous allons partager ensemble un déjeuner chez les sœurs, que je remercie pour leur hospitalité, en plus de leur belle voix et de leur belle décoration, etc. Eh bien, merci d'avance et merci pour ce que vous avez fait également. Si j'oubliais quelqu'un, qu'il se sente vivement remercié. Pardon? Ah oui, bien sûr. Le commandant de brigade avec toute son équipe qui nous ont assuré une petite sécurité pour ne pas être envahi. Vous savez que c'est douloureux de ne pas participer au pèlerinage de Popongil. Si on avait laissé possible à qui le veut, ne serait-ce que les habitants de Popongil et ceux des environs auraient pu remplir le sanctuaire. Mais nous avons voulu que le symbole soit gardé dans la fidélité de ce que nos pères et mères nous ont demandé.
Et en cela, la gendarmerie nous a rendu un grand service. S'ils m'entendent, je leur dis un merci qu'ils puissent entendre directement. S'ils ne m'entendent pas, nous aurons l'occasion, comme nous le faisions habituellement, d'aller vers eux pour leur dire l'expression de notre reconnaissance. Nous savons aussi que, de manière très discrète, d'autres services de sécurité sont avec nous et proches de nous. Et c'est cela, le charme de leur travail. Nous leur disons merci, un merci qui correspond à leur invisibilité. Nous savons que le préfet d'Umbour et le sous-préfet de Sindia sont attentifs à ce que nous faisons. Les membres du comité national du pèlerinage savent à quel point ils sont impliqués dans des occasions de ce genre. Ils sont physiquement absents, mais leur esprit est avec nous, nous leur disons un grand merci. Alors, nous avons déjà accueilli la bénédiction de Monseigneur Martin. À tout Seigneur, tout honneur, comme évêque de Kaolack, le tour lui revenait cette année de présider la messe solennelle de lundi de Pentecôte, jour de pèlerinage national, sous-régional ou international. Monseigneur, merci encore pour les mots forts que de votre cœur et de votre bouche nous avons entendus et que le peuple des fidèles, à travers les techniques de notre monde, seront appréciés. Et si vous voulez bien, allez dans la paix. Il a remercié tout le monde, mais il s'est oublié lui-même parce qu'il ne peut pas se remercier. Voilà, nous lui disons vraiment un très grand merci, Rabbi Fattening, Pascal, William, d'avoir aussi organisé avec tous vos collaborateurs ce que nous venons de vivre aujourd'hui pour permettre à tout le peuple chrétien de ne pas manquer ou de sauter une édition. Nous n'avons pas sauté. C'est une édition spéciale. Nous l'avons célébrée. Et ceux qui n'ont pas pu être avec nous, Marie, comme je l'ai dit, les a rejoints là où ils sont, parce qu'elle ne souffre pas, elle n'a pas souffert de voir ses enfants tout seuls, et particulièrement en ce moment difficile. Donc soyons rassurés que notre 132e édition s'est très bien célébrée. Yalna yalna, yalna yalna, agali yalna, yep, vraiment. C'est mon seul Abdou Nassi, mon seul Sénégal, qui dit que je ne sais pas si je suis le Madame Fébar Guilé. Et il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Yalla may ñu rafet nawet bu rafet ak taw yu bari te yiw jarajeul jeuf et bonne journée à tous.